Dans un communiqué récent de la CIA, le nom de la tribu a été donné à l'organisation terroriste responsable de l'escalade de violence dans la bande de Gaza. Selon ce rapport, la tribu aurait plus de ramifications au sein du crime organisé et du terrorisme que ce que l'on croyait jusqu'à présent. Selon un agent de la CIA, l'affaire aurait déjà été confiée depuis un moment à un groupe de travail. Les autorités allemandes ont reconnu être au courant depuis 10 ans des activités de la tribu en Europe. Des armes provenant des forces militaires allemandes ont été découvertes au Pakistan et ont été utilisées le mois dernier dans une attaque contre les forces de la coalition sur la frontière afghane. Il semblerait que le trafic d'armes soit une activité lucrative pour la tribu. Interpol enquête sur une tendance actuelle selon laquelle le trafic de drogue en Europe serait fortement à la hausse. Ces investigations semblent révéler que la tribu utiliserait d'importantes ressources destinées à augmenter le volume des expéditions de drogue vers la France, l'Italie et l'Allemagne. Pour ce qui est du reste des nouvelles internationales, le magnat industriel britannique Bruce Lieb doit bientôt répondre à une commission d'enquête à New York. La commission américaine des opérations en bourse, la SEC, veut en savoir plus sur la récente acquisition de Polar Energy par Lieb Industries. À cause d'un délai d'initié, la société Polar a dû retarder l'annonce de la découverte d'un grand gisement d'uranium et ses échanges d'actions ont été interrompus avant qu'un accord soit conclu pour augmenter sa participation. L'audition de la SEC est prévue pour jeudi. Pendant ce temps, ni Lieb ni les directeurs de la société ne se sont prononcés sur cette affaire, laissant les marchés dans l'expectative. Malgré l'enquête de la SEC prévue pour cette semaine, les entreprises libres continuent d'avoir le vent en poupe. Les résultats du quatrième trimestre font état de profits importants, ce qui a fait plonger les actions de ses concurrents. Les traders ont rapidement essayé de reprendre le dessus à la suite de l'annonce des résultats de l'impétueux PDG. La vie personnelle du milliardaire Bruce Lieb ne semble pas affectée outre mesure par les rumeurs relatives à ses affaires. Il est arrivé à Paris aujourd'hui pour un gala organisé par les industriels français pour y célébrer les 20 ans de Lieb dans l'industrie. Cette fête très sélecte réunira la fine fleur des groupes industriels européens. L'événement sera une manifestation de soutien pour Lieb face aux accusations portées contre lui par la SEC. T'es beau comme un camion quand tu te mets sur ton 31. Ah oui? Eh ben, je vais peut-être t'inviter à danser le foxtrot. Encore quelques verres, et je me laisserai peut-être faire. Alors, où est ton acolyte ce soir? Il aime pas les mondanités. Alors, tu devrais lui dire de lâcher un peu de lest. Et dis-lui de profiter de Paris tant qu'il est là. Pourquoi je ferais ça? Langley vient de nous enlever la tribu. Et le MI6 aussi arrête les frais. Ça fait 10 ans que tu bosses là-dessus, ça m'étonne que tu ne sois pas au courant. Franchement, ils ont claqué un fric fou et il n'y a toujours rien de vraiment concret. Mike Melzer. Je savais que c'était vous tout à l'heure. Ça fait plaisir de vous revoir, Bruce. Félicitations. Merci. Bruce Lieb. Joe Ballard. Voici ma sœur, Michelle. Bonsoir. Bonsoir. Ballard. Le renseignement, c'est ça? Oui. On m'a dit de très bonnes choses à votre sujet. Merci. Repos. Tout ce que je veux dire, c'est que je respecte tout homme qui protège la reine. Je vous remercie. Je vous prie de m'excuser. Je vous en prie, passez une bonne soirée. Ça fait combien de temps déjà? 5? 10 ans? Salut. Salut, Joe. Tu es superbe, je ne pensais pas te voir ici. Merci, c'est pour le travail. Je suis venue ce soir pour offrir mon aide à la presse locale. Eh bien, ça a l'air glamour. Ben, pas vraiment. Je fais juste ça ce soir. Mais on va voir comment ça se passe. D'accord. Bon, j'ai des trucs à faire, donc passe une bonne soirée, ok? Toi aussi. Attends, Joe. Oui? Comment va-t-il? Il va bien. Il aimerait avoir de tes nouvelles. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt.
Agent Ross. J'ai entendu dire que la tribu était en ville. Ils vont sûrement avoir une réunion. Vous pouvez venir? J'arrive tout de suite. J'adore les hommes qui ont une arme sur eux. C'est la façon dont vous vous tenez. Votre veste penche du côté droit, c'est comme ça que je le sais. Vous avez l'heure. Je dois y aller. Vous voulez que je vous raccompagne chez vous ? Et si je vous disais que je n'avais pas de chez moi? Et si je vous disais que j'avais une chambre là-haut? Vous allez répondre. Donnez-moi une minute. Ne bougez pas. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais vraiment obligé de me déranger là, maintenant? Désolé d'interrompre ta soirée, mon vieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens juste de parler avec un gars des renseignements français. Il dit qu'il y a une réunion ce soir. Et? Et le patron y sera. Ouais, foutaise. Si c'était vrai, les Français l'auraient pas dit. Ils savent qu'on est en meilleure position qu'eux. Il y a des taupes partout chez les Français. C'est quoi le plan? Je crois qu'il va falloir agir vite et rester discret. Ok. D'accord, je convoque tout le monde. Melzer est là, si tu veux lui parler. Eh mec, il y a une brune à l'intérieur, elle est chaude comme la braise, je te jure. Examinez le périmètre. Ça sert à rien. S'il y a quelqu'un, on le saura bien. Allez, les gars, faites ce que je vous demande. Tout de suite, patron. Je croyais que t'aimais pas les crêpes. C'est sympa que tu sois là avec moi ce soir. C'est ça, invite-moi à danser tant que tu y es. Et vous aussi. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Mangez votre crêpe, patron. Tu as vu Olivia ce soir? Quoi? Quoi? Tu crois pas que t'aurais pu me le dire tout à l'heure? Avec toute cette histoire, j'ai pas pensé, c'est tout. Comment elle allait? Pas bien du tout. Ouais, ben, elle répond même pas à mes appels. Les gars, ça fait au moins 3 minutes que vous matez le périmètre. Oh, attendez, on a un truc là. C'est la brune, celle que j'ai rencontrée ce soir. Quoi? On y va à trois. À trois. Un.
Joe, est-ce que ça va? Ouais, c'est mon gilet qui a pris. Et toi? Ouais, ça va. Ils ont pris la fille de tout à l'heure! Espèce d'imbécile. Vas-y, petite conne. Non! 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 Non. Dites-moi, comment il est possible que pendant une opération de la CIA, le MI6 puisse perdre 5 hommes? J'ai rien à dire à ce sujet. Rien. Vraiment. Vous n'avez rien à dire. On s'est fait piéger. Vous n'auriez pas été une cible si vous n'étiez pas arrivé si près du but. Mais Ross, vous êtes allé beaucoup trop loin dans cette affaire. Et comme si ça ne suffisait pas, les Britanniques, eh bien, ils exigent des représailles. Et les Français sont très énervés qu'on ne les ait pas informés. Vous reconnaissez cet homme? C'est votre informateur, n'est-ce pas? Eh bien, ils nous mettent ça sur le dos également. Avec effet immédiat, nous suspendons toutes les opérations jusqu'à ce que l'enquête soit bouclée. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Olivia. Merci de... Salut. Il faut que je vous parle. La clé USB qu'on a trouvée sur la scène est pleine d'informations. Il y a encore plein de choses que je sais pas déchiffrer, mais... Écoute... Tu voudrais pas expliquer tout ça, ou... Je sais. Mais écoutez d'abord ça, ok? On a trouvé plein de dossiers vraiment intéressants, en particulier un dossier concernant le milliardaire Bruce Lieb et ses entreprises. Je crois que c'est une cible. Pour moi, c'est un commanditaire. Ouais, ben, c'est ce que je pensais au début, et puis je suis tombé sur ce truc-là, regardez. Il s'agit d'une liste de passagers qui doivent quitter Paris dans son jet privé ce soir. Et il y a une description détaillée des procédures de sécurité, du personnel de bord, ainsi que des spécifications techniques de l'avion. Mais ce n'est pas tout. Continue. Il y a des pistes qui conduisent à plusieurs holdings. Et l'une d'entre elles... c'est l'IIU. Faut suivre la trace de l'argent. Comment? Merde. On m'a retiré de l'affaire, je peux plus agir jusqu'à nouvel ordre. Ouais, mais ils sont pas obligés de tout savoir, non? Je vais être honnête avec vous. Cette histoire me déplaît profondément. Nous le savons, Bruce, mais la SEC n'est pas animée de bonnes intentions. Vous témoignerez demain, et l'affaire sera classée une fois pour toutes. Je témoignerai? Vous m'aviez dit que c'était une interview amicale. Oui, c'en est une. Prenez ça pour une interview amicale qui pourra être utilisée contre vous au tribunal. Elle est ici. Elle est ici. Vous pouvez lui dire d'entrer. Messieurs, je vous verrai tous les deux ce soir. Merci. Merci. Ne me regarde pas comme ça. Si elle vient, c'est pour nous sortir de ce pétrin. Écoute, quoi qu'il arrive, demain, on s'occupera de toi, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Pas à m'inquiéter? Elle n'a pas le profil et elle n'a pas sa place ici. Tu n'as pas pris la bonne décision cette fois. Michel! Tu n'as pas à prendre de décision concernant mon avenir. Olivia, c'est un plaisir de vous revoir, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. J'étais vraiment très contente de recevoir votre appel ce matin. Merci de m'accueillir parmi vous. Nous avons aimé votre travail du mois dernier. Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. Olivia, est-ce que vous souhaiteriez vous joindre à nous et faire partie de notre équipe à long terme?
Bien, j'espérais que vous diriez ça. J'ai donc pris la liberté de rassembler quelques petites idées pour une campagne centrée sur vos organisations caritatives, en commençant par le gala de charité prévu demain soir. Une interview télévisée, c'est très cher, mais c'est ce qui a le plus d'impact. Je vous proposerai donc d'inviter quelques-uns de vos plus gros donateurs pour votre soirée de gala. L'idéal serait d'inviter un journaliste de la presse écrite à bord. C'est un média plus intime qui mettrait en valeur d'autres facettes de votre travail. Génial. Alors commençons. Vraiment ? Nous décollons dans 4 heures. Oh. Cela me donnera une chance de voir ce que vous êtes capable de faire. Oui. Et surtout, n'hésitez pas. Michel vous donnera tout ce dont vous aurez besoin. Demandez-lui ce que vous voulez. Génial. Merci. Bienvenue parmi nous. Merci. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Merci. Venez avec moi, je vous raccompagne. D'accord. Et j'ai besoin d'une cravate. Merci. Olivia ? Salut. Tu as l'air surpris ? Je sais même plus à quand remonte ton dernier appel. Ouais, bon, Je viens de passer une excellente journée. Et... tu es la première personne à qui j'ai voulu en parler. Olivia... Je travaille avec un nouveau client et... je voulais vraiment que tu le saches. Une excellente journée. C'est génial. Je suis vraiment content pour toi. Merde. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Olivia, ça me fait vraiment plaisir que tu m'appelles. Je dois raccrocher, là. Je suis désolé, je te rappellerai. Max, t'as du neuf ? J'en ai appris plus sur Bruce Lieb. Son jet privé part de Roissy dans 2 heures. C'est un certain Otto Southwell qui est responsable de la sécurité. Nous avons réussi à le contacter, il vous attendra dans l'avion. Très bien, merci. Monsieur Lieb, avez-vous des commentaires à faire à propos de l'audience de la secte ? Allez-vous répondre aux accusations, Michel ? Nous avons simplement modifié le fonctionnement de notre organisation caritative, et cela ne concerne pas la secte, messieurs. Monsieur Lieb, un commentaire, s'il vous plaît. Écoutez, vous tous. Il s'agit juste d'une audience, et c'est tout. Une fois que ce sera fini, tout rentrera dans l'ordre. Et la commission vous fournira toutes les informations qui pourraient intéresser l'opinion publique. Mais je profite de cet instant pour vous annoncer que... nous avons collecté plus de 5 millions de dollars pour les enfants déshérités du monde entier. Et nous sommes sur le point de faire de même pour les enfants défavorisés de Washington. Donc n'oublions pas le plus important ici. Et ne perdons pas de vue nos objectifs, entendu ? Ce sera tout, merci infiniment. Monsieur Lee, monsieur Lee, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur Lee, vous vous démarquez, s'il vous plaît. Monsieur Lee, initié. Vous y êtes déjà allé ? Non, jamais. Oh, c'est magnifique. C'est dommage qu'ils aient été si courts. Steve, bonsoir. T'es à l'heure, on dirait. Vous avez regardé la météo ? Oui, elle a l'air plutôt bonne. Dites-moi, quelle est cette perturbation sur la mer du Nord ? On va la surveiller de près. Il ne faut pas trop les secouer. Allons-y, mollo. Cette fois, il y a du bon linge à bord. C'est ce que j'ai entendu dire. Allons faire voler cet énorme oiseau. C'est vraiment un très bel avion. Ouais, ça c'est vrai, capitaine. Voler, c'est comme respirer pour moi. Cohen, pouvez-vous me sortir les plans de procédure d'atterrissage, s'il vous plaît ? Bien sûr. Ok. Et Roger ? Ouais ? La fille à la robe rouge, c'est la nouvelle ? Mm-hmm. Ah, et la blonde, alors ? La blonde, elle est mariée à l'un des plus gros donateurs de Lib. Ils sont tous les deux quand même très jeunes. Eh oui. Ils viennent d'une famille friquée, ceux-là. De jeunes gens privilégiés. Ils se détestent certainement tous les deux. Taylor et moi sommes très heureux de pouvoir contribuer de cette manière à la Fondation.
Le travail entrepris est extraordinaire. Nous apprécions beaucoup ce que vous avez fait pour nous. Et pour vous remercier, Monsieur Lieb vous offre les services de son chef cuisinier pendant votre séjour à New York. C'est très généreux à lui. C'est avant tout grâce à la générosité de personnes comme vous que tout est possible. Je vais vous indiquer où se trouve votre cabine, c'est la numéro 2. Une fois que nous aurons décollé, vous pourrez vous y installer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Très bien, merci. Merci D'accord. à vous. Tu parles sérieusement, ce sont eux les plus gros donateurs? Merci. Je me suis vraiment trompée de boulot. Ouais, on est dans le même pétrin. En tout cas, Sam, je te remercie vraiment d'avoir tout plaqué pour m'aider. Je suis ta meilleure amie, c'est normal. En tant que journaliste, je sais renifler un bon scandale lorsqu'il se présente. Sam, ne t'en fais pas, je te devais bien ça. Tu as besoin de quelque chose? Non, j'ai tout ce qu'il faut, c'est bon. J'aurais seulement besoin d'Eric quelques instants. Ok, je t'arrange ça. Agent Ross, Otto Southwell sait que je dois passer le voir. L'agent Ross voudrait parler à Monsieur Southwell. Ça ne prendra qu'une seconde. Agent Ross, montez à bord. Otto n'en a pas pour très longtemps. Il est en train de finaliser quelques vérifications de sécurité, mais en attendant, je peux vous faire visiter. Je vous donne ceci. C'est la liste des passagers avec les vérifications de routine. Pas mal, hein? La rumeur raconte qu'il l'a gagné au poker. Contre l'émir du Qatar. Merci. Bonsoir, Monsieur Lieb. Bonsoir. Tout est prêt pour votre équipe. Nous serons prêts à partir dans 20 minutes. Très bien. Michel, dis-leur d'être prêt dans 5 minutes. Ok, nous sommes parés pour le décollage. Plein gaz, moteur principal. Roger, il y a encore une lumière allumée. Ah oui. La tour Charles de Gaulle ? Mademoiselle Rousseau, je ne sais pas pourquoi vous avez ramené votre amie blonde, la journaliste, mais vous avez intérêt à... Écoutez, on peut arrêter avec ça, s'il vous plaît. Nous sommes là pour nous concentrer sur le problème de la SEC. Eh bien, on dirait que vous commencez à faire connaissance. Bienvenue, Olivia. Écoutez, je vais me reposer un petit peu. Je vous rejoindrai dans quelques heures. Mais faites-moi le plaisir de baisser d'un ton. Ça devait être une sacrée partie de poker. Agent Ross ? Otto Southwell. Alors comment ça va? Enchanté. Enchanté. Écoutez, vous devez annuler ce vol. C'est tout à fait impossible. Bruce est conscient des risques, mais il refuse d'annuler le vol. Est-ce qu'il sait que c'est très sérieux? Il sait ce qu'il fait. Est-ce que je pourrais au moins lui parler? Bien sûr. Par ici. La cabine du patron est très high-tech. Elle est construite en titanium. Elle est entièrement scellée. Il y a un écran ici, qui communique avec la cabine. Bruce, l'agent Ross veut vous parler. Merci. Excusez-moi, Otto. Pierre vous attend près de la voiture. Très bien. À tout à l'heure. Si tu gardes confiance alors que chacun doute, mais sans leur en vouloir de leur manque de foi. C'est l'un de mes poèmes préférés, vous savez? Si. De Rudyard Kipling. Je vous offre un verre? Non, merci. Monsieur, cet avion... Écoutez, agent Ross, je vous prie de m'excuser. Je sais, vous devez probablement penser que je suis un sombre idiot. Le problème, c'est que j'ai une réunion extrêmement importante demain. Et la moindre absence ou même un retard pourrait porter préjudice à toute mon entreprise. Ouais, je sais, mais monsieur, vous courez un grand danger sur ce vol. Je n'ai pas donné tous les détails, Otto, mais j'ai des raisons de penser que vous êtes la cible d'une puissante mafia internationale. Je ne comprends pas, enfin... Pourquoi serais-je la cible d'une mafia internationale? Je sais pas trop, mais ce ne sont pas des voyous avec des flingues. Ces gens-là manipulent les marchés. Ils créent des insurrections qui déclenchent des guerres. Nous avons trouvé un dossier qui contient plusieurs rapports financiers de vos entreprises. Ils sont peut-être à l'origine de cette chasse aux sorcières. C'est possible. Mais vous comprendrez qu'il y a de quoi s'inquiéter vu qu'ils ont tous les détails du vol.
Je ne suis pas en position de retarder votre départ, mais si vous décidez de voler, je vous recommande fortement de renforcer vos procédures de sécurité. Oui, oui, bien sûr. Malheureusement, la décision ne m'appartient pas. Je vous serais reconnaissant d'en parler à Otto. Écoutez, je sais que c'est totalement contre le protocole. Mais je me sentirais beaucoup mieux si vous restiez à bord avec nous ce soir. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais j'en toucherai un mot à Otto. Bon, si vous changez d'avis... Merci. Bonne chance. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, monsieur. Vous êtes sûr que vous voulez pas venir avec nous ? Oh, c'est mon premier week-end de libre depuis longtemps. J'ai hâte de passer du temps avec ma femme et mon fils. Patrice, il a quel âge maintenant ? Déjà 12 ans. Ah, c'est un grand garçon. Michel a encore fait du shopping. Oui, c'est ce que je vois. Bon, c'est bon. Très bien. Dites bonjour à votre famille. Merci, bon voyage. Dont nous aurons besoin pour la soirée de gala. C'est une très bonne idée. Super. Et mollo sur l'alcool. Olivia, qu'est-ce que tu fous là ? Veuillez m'excuser, Eric. Sam, Eric est prêt, il t'attend. Olivia, tu peux pas être sur ce vol. Mais ça va pas, la tête. Je te renvoie la question, qu'est-ce que tu fous là ? Tu ne devrais pas être ici. J'ai une excellente raison d'être ici, moi. C'est mon travail, Paul. Allez. Est-ce que ça va ? Ça va aller, oui. Tu me dis si t'as besoin de quelque chose. Viens par ici. La tribu a pris libre pour cible. Paul, arrête, s'il te plaît. J'ai enduré tes paranoïas pendant 4 ans. Mais maintenant, ça suffit et tu sais ce que je pense. Je pense que s'il y avait vraiment une menace et que la CIA croyait que Lib était en danger, il serait déjà là. Tu vas m'écouter ? Non, je ne vais pas t'écouter. Ne t'approche plus de moi. Y a un problème ? Non, aucun problème. Bien. Je vais vous dire à Lib que j'accepte son invitation. Ouais. Je vous sers quelque chose à boire ? Un soda, s'il vous plaît. Ça ne va pas très fort ? Si, ça va, merci. Je vous remercie, LTD 740. Bonne journée. Alors, Steve, je ne vous ai pas vu à Paris une fois qu'on a atterri. Ouais, c'est vrai, ça. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai une passion pour les petites femmes de Paris. Votre femme est au courant ? Et votre femme est au courant de votre rendez-vous amoureux avec Yuki ? On vient d'atteindre notre vitesse de croisière, à 8000 mètres d'altitude. Ici le copilote Cohen, depuis le poste de pilotage. Le signal de fermeture des ceintures est éteint. Vous pouvez circuler librement. Tu veux qu'on aille dans notre cabine ? Agent Ross, je vous offre un verre ? Non, merci. Pas d'alcool pendant le boulot ?
Je me suis habitué au soda, mais c'est gentil à vous. Et c'est qui, elle ? Ma fiancée. Enfin, mon ex-fiancée. Eh bien, ça risque d'être un voyage intéressant, dites donc. Ça va aller, n'est-ce pas ? Oui, j'espère que ça va aller. Oh, la vache ! C'est magnifique ! On va être trop bien. C'est parfait. Je crois qu'on est à 100 mètres ou à 1000 mètres d'altitude. On s'en fout, bébé. On vole en privé. Allez, c'est parti. Combien ils sont là-haut ? Ils sont 12, plus Bruce et les pilotes. Mais faites gaffe à Otto Sasswell. Avant, il était dans les forces spéciales. Ça fait des années qu'il travaille pour Bruce. On doit l'éliminer, alors. Il n'en est pas question. On aura peut-être besoin de lui. Il est le seul à pouvoir rentrer dans la chambre de Bruce. On va faire avec. Très bien. Vous attendrez mon signal. Et c'est quoi, votre signal ? Quand tout sera en place, je vous ferai signe. Cela voudra dire que vous pourrez agir. Pardon ? Vous pouvez répéter ? Hé, hey, on commence sur de bonnes bases, ok ? J'ai tout préparé de mon côté. À vous de faire de même. D'où elle sort, cette conne ? C'est l'admisseur d'Olib. Elle veut sa part avant que son grand frère ne coule. Qui a dit que les liens du sang étaient les plus forts ? Whisky gingembre. C'est le verre de l'amitié. Ouais. Je suis désolé. Vraiment, Olivia, je ne savais pas que tu serais ici. Je sais. Joe s'est fait tuer hier soir. Je suis vraiment désolée. Est-ce que ça va ? Il t'aimait bien, tu sais. Je l'aimais bien aussi. Thank you.
Nick. Ah, salut. Ouh, ça te dérange pas que je me serve? Non, vas-y. J'ai trop faim. T'as quelque chose de plus consistant? Non, mais le dîner sera prêt dans une heure. C'est Steve? Ici Michel. Bruce aimerait connaître l'heure d'arrivée. Nous atterrirons dans 3 heures environ. Merci. Je vais aux toilettes. Bon. Vous vous en sortirez pendant mon absence? Aucun problème. Je vous apporte quelque chose? Oh. Désolé, patron. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous foutez? C'était vraiment nécessaire. Désolé, mais ça m'excite. Essaye de te contrôler, ok? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Où sont les autres? Il y en a 4 dans la cabine principale, 2 autres dans le bar et 2 dans le salon du haut. Et dans le cockpit? Cohen a la situation en main. Allez faire en sorte que ça continue. Je ne veux plus voir ça. Pas de problème. Tout va bien se passer. Et c'est qui, ce Cohen? C'est un bon pilote. Il fera du bon boulot. Ok, allez, on y va. Et toi, tu te calmes avec ce flingue, vu? Après le voyage, on devrait retourner au restaurant de la dernière fois. Ah oui, le resto de poisson. C'est vrai qu'il était bon, ouais, celui-là. Excellent. Hein? Je crois que les lapins ont fini de lapiner. Excuse-moi. Alors, vous appréciez le voyage? Ça peut aller. Ça peut aller? Ça peut aller. Un gin tonic? Mettez-moi une double dose. Dure journée? Oui, on peut dire ça. Bonsoir. Bonsoir. On ne s'est pas présenté? Paul. Michel, Lieb. Ravi de vous connaître. Enchanté. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un petit accident. Oh, c'est pas bon, ça. Vous devriez faire attention à vous. Buvons à votre santé, alors. Steve? Tu peux ouvrir la porte? Je viens juste de l'ouvrir. Ça a pas marché. Tu peux réessayer? Ouais, bien sûr. Ok. Essaye maintenant. Non, toujours rien. C'est bizarre. C'est peut-être un court-circuit. Et si t'allais jeter un coup d'œil? Ouais, ok. Prends son flag. Tout le monde debout, les mains derrière la tête. Vous l'avez entendu? Alors bougez vos culs. Les mains derrière la tête. Tout le monde, les mains derrière la tête tout de suite. Debout. On va à l'arrière. Thank you.
Vous êtes armés ? Gardez les mains derrière la tête et tournez-vous. Ok, tout le monde à l'arrière de l'avion. Maintenant ! Allez ! Mesdames et messieurs, gardez votre calme. Je suis désolé qu'on vous ait pris en otage. Mais si vous coopérez, personne ne sera blessé. En tout cas, personne d'autre. Il n'y aura pas de héros ce soir, Monsieur Southwell. C'est moi le héros. Faites comme si j'étais Robin des Bois. Je vole aux riches pour donner aux pauvres. Vous avez rencontré ma bande de joyeux compagnons. Bruce Lieb est un mania de l'industrie, qui a volé des milliards dans le monde entier. Ce soir, il recevra une leçon de justice. Je vais lui reprendre sa fortune mal acquise. Si vous ne vous en mêlez pas, vous ne serez que les témoins. Mais si je vous trouve sur mon chemin, vous serez des victimes collatérales. Qu'est-ce que vous voulez ? Donnez-moi votre prix et tout pourra s'arranger. Vous, vous devez être l'avocat. Faut pas faire de promesses qu'on n'est pas sûr de tenir. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire pour moi? Parce que si vous n'avez pas des milliards de dollars à me transférer dans la prochaine demi-heure, à votre place, je fermerai ma gueule. Très coopératif, Monsieur Southwell. Gardez tout le monde ici. S'il bouge, vous les butez. Prends la femme, on y va. Ah, non, non, lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous en prie. Lâchez-moi. Pitié, non. Allez, attachez tout le monde. Ça va ! Arrêtez de tirer ! Ça fait mal ! Vous êtes bonne actrice. Otto, dites-moi ce qui se passe. C'est quoi tout ce bordel ? Monsieur Lieb ? Je vous présente mes excuses, mais Monsieur Southwell est indisposé. Et je peux savoir à qui j'ai affaire, alors ? Mon nom ne vous dira rien. Ce qui est important, c'est que nous avons pris le contrôle de cet avion. Et j'espère que vous allez nous faciliter la tâche. Je préférerais que vous sortiez pour qu'on puisse parler entre hommes, mais je ne pense pas que vous soyez d'accord. Je vais donc vous expliquer ce qu'on attend de vous. Vous allez transférer 2 milliards 730 millions de dollars sur un compte numéroté. Et vous allez faire ça dans l'heure qui suit. Sinon, on commencera à tuer les passagers. Je ne peux pas faire ça. C'est absolument impossible, voyons. Monsieur Lieb, vous pouvez. Et vous le ferez. Monsieur, s'il vous plaît, il y a un kit complet d'urgence médicale à bord, je vous en prie. Il saigne abondamment, laissez-moi m'occuper de lui. Il attendra que je vous dise ok, sinon je le crève. Laissez-moi au moins stopper l'hémorragie. Alors faites vite. Quel est le protocole d'urgence? Dès qu'on a appuyé sur le bouton d'urgence, le poste de pilotage est scellé, tout comme la cabine de Lieb. Les pilotes? Ils avertissent la tour de contrôle et l'aéroport le plus proche. Ce sont des pros. Ils n'auraient rien pu faire s'il n'y avait pas l'un des leurs aux commandes. Ça suffit. Retournez à votre place. Bruce. Je t'en prie, Bruce. Fais ce qu'il te dit. Je vous en prie. Ne lui faites pas de mal, elle n'y est pour rien, laissez-la partir.
c'est pas vrai, Bruce! Il a un putain de flingue braqué sur ma tête! Donne-lui ce qu'il veut! Bruce! Ne m'obligez pas à la tuer, monsieur Lieb. Ce serait dommage. Bruce! Je vous en prie, laissez-la partir. Je t'en prie. Bruce! Va te faire foutre, Bruce! Espèce d'enfoiré! Donne-lui le putain de pognon! Hein? Espèce de lâche! Hein? Non! Mon Dieu! Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Écoute, espèce de sale égoïste. Que ce soit bien clair, tu es mort si tu ne me donnes pas ce que je veux. Non, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas transférer 2 milliards de dollars comme ça. Je vais avoir besoin de temps. Je dois parler avec le siège. Ils vont poser des questions. Ils vont poser beaucoup de questions. Alors répondez aux questions. Pour le moment, prenez un stylo. Et recopiez ceci. Vous avez 10 minutes. Sinon, vous allez perdre vos collaborateurs. Nettoie ça. Otto ! Vous approchez pas de lui ! Il a une attaque cardiaque ! J'ai besoin du kit d'urgence de la cabine ! Laissez-moi aller le chercher. Rassieds-toi ! Bon boulot. Je vous renvoie le compliment. Prenez les ciseaux dans la cabine. Allez vite. Il faut aller dans la salle annexe. Il faut qu'on voit à qui on a affaire. Ah. Je viens avec vous. Il faut que je trouve un endroit sûr pour Olivier. Il nous reste peu de temps si on veut s'en sortir. Je veux que tout le monde se disperse et aille se cacher. Ne leur facilitez pas la tâche. Allez, on y va. Vous devriez être en sécurité ici. Si vous devez bouger, rejoignez la cabine principale. Vous aurez plus de place pour vous planquer. Ok. En attendant, restez cachés. Je reviens le plus vite possible. D'accord ? Hey, Paul. Sois prudent. Ça va aller. Vous devez transférer cet argent, vous devez le faire tout de suite! Vous êtes sûr qu'ils sont sérieux? Ils viennent de tuer ma sœur devant mes yeux! Ils ne plaisantent pas! Bruce, il faut absolument qu'on avertisse le FBI, c'est la seule option raisonnable pour l'instant, vous comprenez? Pourquoi faire? Vous croyez qu'ils vont sauter dans un avion pour nous sauver? Je vais vous dire, moi, si c'est la seule option que vous avez, je préfère sauter! Je suis d'accord avec lui, on n'appelle pas les autorités. Si jamais les gens sont au courant, le cours s'effondrera. Et on n'aura plus aucune chance de se refaire. Je ne crois pas qu'on puisse réunir une telle somme. Même si on vide toutes nos réserves de liquidités, c'est impossible. Je crois que nous n'avons pas d'autre option. Eric saurait comment procéder. Bruce, est-ce qu'il est avec vous? Il était. Il est à l'extérieur. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Cohen! Comment ça se présente? On va devoir improviser. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps se gâte au-dessus de Goose Bay. Il y a des tempêtes de grêle, on ne pourra pas atterrir là-bas. Qu'est-ce que tu proposes? La plage, ça vous va? Tenez ça.
Cousteau, les otages ont disparu. Oh, tu te fous de moi, c'est pas vrai. J'arrive tout de suite. Steve, tu fais en sorte qu'on atterrisse. Je me fous de savoir comment tu fais. Tu fais comme tu le sens. Où est-ce que tu vas comme ça, toi? Descends. Allez! M'oblige pas à te buter. Bouge! Qu'est-ce qui t'a foutu, putain? Ils ont pris mon flingue et le talkie-walkie. Le molosse? Je t'avais confié un boulot. Maintenant, rends-moi service et attache-le, compris? Viens. Merde. 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 Donc ils extorquent le fric et ensuite ils sautent. Qu'est-ce que c'est que ça? Une batte de criquet. À mon avis, ils vont devoir sauter de beaucoup plus bas. Ouais, ouais. Otto! Je suppose que vous et votre copain baraqué, vous m'entendez, alors écoutez-moi. Je me suis trompé, je pensais qu'on allait coopérer. Maintenant, on a fini de jouer. Et toi, le molosse, tu m'entends? Espèce d'enfoiré, je vais te faire ta fête, connard! Il est énervé et il nous insulte. Ignorez-le. Monsieur Lieb, où est-ce qu'on en est? Écoutez, je vais être honnête avec vous. On ne peut rien faire avant d'avoir parlé avec Eric Helmuth. Et je peux savoir qui c'est, ce Helmuth? C'est le directeur financier de l'entreprise. J'y crois pas. Bonsoir, chers confrères du siège. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. En tant que nouvel actionnaire majoritaire, j'aimerais soumettre une résolution concernant la gestion de l'entreprise et la rémunération des dirigeants. Non, 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 s'il vous plaît. Je vous en prie, ne me tuez pas. Dites-moi où est Eric ? Dans un des compartiments privés. Où ça ? Dans un des compartiments privés ! Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Non, non, je vous en prie, non ! Ça suffit maintenant. J'alerte les autorités. J'y réfléchirai à deux fois à votre place. Ah, j'avais toujours espéré que le groupe Lieb poursuivrait des objectifs moins égoïstes que celui de faire du profit à tout prix. Je n'ai donc pas d'autre alternative que de me nommer administrateur de cette entreprise. Ah, monsieur Helmuth, prenez place. Alors, messieurs, on va finir par se comprendre ? Qu'est-ce que tu as fait, Pierre ?
Pour qui travaillez-vous? Pour personne. Et t'as posé une question. Si tu ne réponds pas, je vais te buter, t'as compris? J'en sais rien. Personne ne sait. Ben voyons. On la bute? Attendez, attendez. Vous avez besoin de moi. Il y a une bombe dans cette caisse. Le dispositif se déclenchera à 6000 mètres d'altitude et il ne vous restera plus que 20 minutes. Putain, on est vraiment dans la merde. Tu m'étonnes. Ouais, ça va, ça va. T'es sûr? Ouais, ça va. Dites-moi, vous avez l'intention de sauter de l'avion? Parce qu'il y a que 3 parachutes, ça fait pas beaucoup. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Ça devrait être bon maintenant. Regardez encore. C'est fait. On est prêt, Cohen. Faut atterrir. Je vous dis la vérité, il y a une bombe à bord. Elle s'active à 6000 mètres d'altitude. Vous n'avez plus que 10 minutes avant qu'elle n'explose. Désolé, Otto. J'ai 10 millions de dollars qui m'appellent sur l'autre ligne. Comment avez-vous fait pour arriver à cette somme? De quoi vous parlez? 2 milliards 730 millions. C'est le montant exact de nos réserves de liquidités. Comment pouviez-vous le savoir? Sans une personne interne, vous n'aviez aucun moyen. C'est ce qu'on appelle avoir du flair pour les affaires. Bon ben moi, faut que j'y aille. Ne bougez pas de là. Allez dans la cabine principale. Vous y serez en sécurité. On a trouvé une bombe dans l'avion. On va essayer de la désamorcer. On va reprendre le contrôle.
Vous pouvez retourner aux commandes? Le système a justement été conçu pour éviter ça. Je crois que je peux trouver une solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller? Je crois qu'elle... Regardez-moi. Regardez-moi, restez éveillés surtout. Hé, gros lard! Il te manque quelque chose? C'est ça que tu cherches? Écoute, je te connais pas, mais t'es vraiment en train de me casser les couilles. Désamorcez là. Ok. Donaldson, détachez-moi. Asseyez-vous. Appelez la tour de contrôle. Très bien, c'est du bon boulot. Écoutez, il faut bien rester en altitude, on essaie toujours de désamorcer la bombe. Alors ça avance? Pas du tout. Je sais pas comment faire. Mais si, attendez! Donnez-moi ça tout de suite. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous croyez que je fais? J'arrive pas à croire qu'on est là. Ouais. Je dois vous avouer quelque chose. Allez-y, dites-moi. Je ne suis pas en mission. Passager clandestin? Ouais. Et pourquoi vous me dites ça maintenant? J'ai pensé qu'il fallait que je vous le dise. C'est trop mignon. Rouge ou bleu? Je crois bien que c'est le rouge. Non, moi je crois que c'est le bleu. Vraiment? Non, c'est le rouge. Ouais. Thank you.
Otto. Otto, est-ce que ça va? Ouais. Allez voir Bruce. Ouais, je vais voir s'il va bien. Bruce! Bruce! Oui? C'est Ross. Il y a le feu dans la cabine de Bruce. Atterrissage dans 10 minutes. Attachez-vous. Vous allez être un petit peu secoué. Très bien. Aide-moi à le relever. On doit se mettre en sécurité. Et Bruce, alors? Il va devoir attendre qu'on atterrisse, mon vieux. Est-ce que ça va? Attention, on va s'asseoir. Voilà. Et ici, doucement. Voilà. Alors, comment elle va? Elle tient le coup. Mettez vos ceintures, on va être secoué. Hey, restez avec nous, Otto. Restez avec nous. On réduit la vitesse. Sortez encore les volets de 10 degrés. Déploiement complet. Piste dégagée. Procédure d'approche amorcée. Hé, par ici! Bruce. Tout va bien, ma chérie. Ça va aller.
Envoyez immédiatement toutes les vidéos et les infos à Max Porter au bureau parisien, d'accord? Immédiatement, il saura quoi en faire. Ma chérie. Ils ont réservé des chambres spécialement pour nous. Vas-y, essaye de dormir un peu. Moi, je vais rester ici un moment. Il va t'emmener. Ok. D'accord. Seulement si tu me promets qu'on se verra bientôt. Je te le promets, t'en fais pas. Allez, fiche le camp. Merci. De quoi ? D'exister. On se voit bientôt alors ? Ouais. Monsieur. Ouais. On a réussi à rentrer dans sa cabine. Alors ? Il ne reste presque plus rien. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Toi non plus, tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. Vas-y, je t'écoute. La semaine dernière, la CIA et le MI6 ont voulu classer l'enquête sur la tribu. Mon homologue au sein du MI6, Joe Ballard et moi-même, étions les seuls à croire réellement l'existence de ce groupe. La veille du décollage, on nous a piégés. Et il s'est fait tuer. Mais vous avez survécu. J'ai eu de la chance. Avec mon collègue, nous avons ensuite trouvé des informations qui nous ont menés au vol de Bruce Lieb. On a trouvé plein de dossiers vraiment intéressants, en particulier un dossier concernant le milliardaire Bruce Lieb et ses entreprises. Je crois que c'est une cible. Lorsque Lieb a refusé d'annuler le décollage, je n'avais aucune intention de rester à bord. Jusqu'à ce que je réalise que ma fiancée s'y trouvait également. Olivia, tu peux pas être sur ce vol. Mais ça va pas, la tête. Elle venait de se faire employer par Lieb Financial. C'est pour le travail. Est-ce que vous souhaiteriez vous joindre à nous et faire partie de notre équipe à long terme ? Je travaille avec un nouveau client et... Je voulais vraiment que tu le saches. Agent Ross, je vous prie d'en venir au fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il voulait que je sois à bord ce soir-là. Écoutez, je sais que c'est totalement contre le protocole. Mais je me sentirais beaucoup mieux si vous restiez à bord avec nous ce soir. Ne t'approche plus de moi. Y a un problème ? Je vais vous dire à Lieb que j'accepte son invitation. En fait, toutes les personnes qui connaissaient les activités de Lieb et son chiffre d'affaires annuel étaient à bord ce soir-là. Sa demi-sœur. Son avocat. Non, s'il vous plaît. Son directeur financier. Et son garde du corps. Bruce. Il y a 2 jours. 2 146 millions de francs suisses ont été versés sur l'un des nombreux comptes appartenant à un holding de la tribu, qui s'appelle III. Savez-vous à combien s'élève ce montant ? Oh la vache ! À 2 730 millions de dollars, le montant exact dont Lieb Financial disposait en liquidité. Qui d'autre pouvait connaître ce montant ? Quel meilleur moyen pour le chef de la tribu de garder le contrôle ? De rester anonyme ? Tout en sauvant les actifs qu'il avait blanchis grâce à Lieb Financial. Les pirates de l'air auraient fait sauter l'avion. Bruce Lieb aurait réussi un coup énorme. Qu'est-ce que vous essayez de nous faire comprendre ? Merde. C'est tout ce qu'il reste. Le chef de la tribu est toujours en vie.
Il a quitté l'avion avant même qu'il ne décolle. Quelles sont vos intentions, agent Ross ? Je vais le chercher. Et je le ramènerai ici.